Good morning, Alaïda Nessus, aujourd'hui le Lunishmat, Machlouf Micha, Ben Masouda, Rivka, Bat Levi, Itzrak, Avraham Chaynor, Ben Fortune, Mazal, Doven Yudit, et Nissan, Ben Mafet. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Midot, Perek Aleph, Mishnah Zain, Shnaim, She'arim, Ayol et Bet Amoked, Echad Patuach Lachel, Vechad Patuach Lazara. Amar Rabbi Yehuda, Ze Shaya Patuach Lazara, Pushpash Katan Ayalo, Shebo Nichnasim Livlosh et Azara. On a déjà dit que dans ces Mishnayot, depuis la Mishnah Vav jusqu'à la Mishnah Tet, on va longuement étudier la structure du Bet Amoked. Donc on resitue d'abord, c'est quoi le Bet Amoked? Il y avait dans l'Azara, d'abord, toutes sortes de petites cabines, des Leshachot, des Lishkot, Lishka, Leshachot au pluriel, comme on a aujourd'hui hein, le cabinet du Premier ministre, Lishkat Rosh Memshala. Il y avait toutes sortes de Leshachot, toutes sortes de pièces. Maintenant, on est dans les dernières Mishnayot, on a commencé à étudier quelles étaient les She'arim, les portes d'entrée de la Hazara, celles qui étaient au sud, celles qui étaient à l'est, et celles qui étaient au nord. Et maintenant, on est en train de mettre le zoom, particulièrement sur le Bet Amoked, qui était une grande salle en réalité, où il y avait toutes sortes de choses. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé des quatre petites cabines qui étaient à l'intérieur de cette grande salle, chaque fonction de chacune. Et puis à présent, la Mishnah m'enseigne. Le Bet Amoked, ouais, c'était appelé la maison de la torche. Parce que là-bas, il y avait un feu de camp qui brûlait pour que les Kohanim se réchauffent. On avait déjà dit que les Kohanim faisaient la voda pieds nus. Donc ils avaient des fois un coup de froid. Ils rentraient un petit peu, ils se réchauffaient là-bas face au feu. Et puis après, ils repartaient travailler. Ils se réchauffent un peu. Et donc, Shnei Sha'arim ayu le Bet Amoked. Deux portes avaient le Bet Amoked. Le Bet Amoked, il avait deux portes. Echad patuach lachel, vechad patuach lazara. Une qui était ouverte sur le chel, qui donnait sur le chel, c'est le périmètre qui était autour de la Hazara, et une qui était ouverte à la Hazara. C'est logique, puisque ça fait transition, ça permet de transiter depuis la Hazara jusqu'à l'extérieur. Donc en fait, on entre par elle, on entre dans une grande salle. Il y a une porte ouverte vers la Hazara, une porte ouverte vers l'extérieur. L'extérieur, ça s'appelle le Cheil, comme on avait déjà découvert. On aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Il y avait à l'extérieur de la Hazara, jusqu'aux murailles du Harabait, du mont du Temple, il y avait en fait deux niveaux de Kdusha. Une, c'était à l'intérieur du Cheil, c'était une petite barrière. Ok? Donc, il y avait donc ces deux portails. Deux portes du Bet Amoked, une ouverte sur l'Azara, une ouverte sur le Khail. Amar Biuda, Biuda enseigne. Ze Shaya Patuach Lazara, la porte qui était ouverte, qui donnait sur l'Azara. Mais il faut savoir, ce n'est pas juste qu'il y avait un grand portail et c'est tout. Pishpash Katan Ayalo. Il avait dedans une petite porte. C'est fréquent dans les grandes maisons d'époque, il y avait des synagogues de Shaar HaChesed à Yerushalayim où on voyait encore des grands portails. Mais à l'intérieur du portail, une petite porte. Comme ça, celui qui veut entrer, on veut ouvrir une petite porte, ça fait la peine à chaque fois d'ouvrir tout ce gros portail. Eh bien, une petite porte à l'intérieur du portail, ça s'appelle un pishpesh. Donc, pishpesh katan ayalo, il avait une petite porte à l'intérieur de ce grand portail. Shebo nirnasim livlosh et hazara, que de lui entrer pour rechercher dans la hazara. D'abord, je vous montre tout ça dans le dessin. C'est toujours le même dessin, vous devez trouver le dessin qui se trouve. Sur le PDF, c'est page 2 en haut à gauche. Chez moi, c'est page 3. Et donc là, vous le voyez de près, c'est le fameux Bet Amoked. Vous voyez donc qu'on voit ici un portail d'un côté. Il y avait un autre portail de l'autre côté. Et dans ce portail, ils nous ont dessiné un petit carré noir qui est en fait la porte à l'intérieur de la porte. À quoi il nous précise Rabbi Yehuda que c'était par cette porte qu'ils entraient pour rechercher dans l'Hazara. De quoi on parle? Alors ça, on avait appris déjà dans ma secrète Tamid, que le matin, une fois, quand on voulait commencer à faire la Avoda, eh bien, tous les Kohanim passaient par cette petite porte, et ils faisaient le tour de la Hazara. Il y avait toutes sortes de galeries, on le voit fréquemment dans les dessins, peut-être je vous le montre tout de suite, lorsqu'on voit des dessins de la Hazara, et ils ont très bien fait leurs dessins, vraiment, ils ont bien bossé les gars. Vous verrez, dans n'importe quel dessin, voilà, je trouve ici, un dessin de on se trouve dans la Hazara. Qu'est-ce que vous voyez? Il y avait des poteaux et un petit balcon au-dessus d'un chône. Ça s'appelle des galeries. C'est des galeries. Il y avait comme ça tout autour des galeries. Et concrètement, on avait appris dans ma Sechet Tamid que le matin, lorsque les Kohanim entraient pour faire la Avoda, pour aller faire le premier tirage au sort et tout ça,
Et bien, ils passaient par cette porte et ils se séparaient en deux groupes. Un qui faisait le tour par en haut, l'autre qui faisait le tour par en bas. Et comme ça, on ramassait tous les ustensiles qui traînaient. Et après, ils se retrouvaient tous à côté des Lishkat Oseravitin. Ils donnaient rendez-vous tous ici. Et puis après, ils disaient, c'est bon, on a tout trouvé, il manquait rien. Shalom, akol shalom, ils disaient. Et donc, ça s'appelle... C'est par là que, par ce petit pich-pêche, les Kohanim entraient pour faire cette recherche dans la Zara. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.